Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale. Alors la matinale d'Audiofanzine, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit rendez-vous hebdo, voilà, tous les vendredis matins, on se pose ensemble et je vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique tout simplement, en sélectionnant les 4 plus grosses news. Et cette semaine, il y a de la news chez Boss, hein. Si vous aimez les loopers, restez branchés surtout. Il y a de la news chez Spectrasonics, ouais, on n'entend pas souvent parler d'eux et là il y a du nouveau. Il y a de la news aussi chez Fender avec une guitare exceptionnelle dans le son, où c'est pas le genre de guitare que vous voyez tous les jours, et on terminera avec un petit développeur de plugin que je ne connaissais pas personnellement, mais qui a sorti un effet un petit peu à la Billie Eilish. Vous allez voir, c'est très cool. Et bah tout ça, on voit ça juste après le jingle du coup. Et donc nous commençons cette matinale avec Boss. Boss, qu'est-ce qu'ils ont fait Boss? Eh ben, ils ont sorti un nouveau pédalier looper, et c'est un petit peu le vaisseau amiral de la gamme des loopers chez le constructeur nippon. Alors ce gros pédalier, comme vous le voyez ici, offre donc 6 pistes stéréo simultanées. Il n'y a pas moins de 9 foot switch pour contrôler tout ça, et évidemment Boss oblige, il y a toute une flopée d'effets intégrés, 49 utilisables en entrée, donc vous pouvez mettre directement en entrée et enregistrer avec, et 53 en insert de piste, et on peut en utiliser jusqu'à 4 à la fois pour chaque section. Donc les effets temporels peuvent se synchroniser à la longueur des boucles, hein, c'est-à-dire que vous faites la première boucle et ça peut déterminer le tempo pour les effets, ou par exemple ça peut aussi se synchroniser en MIDI. Côté entrée-sortie, on a deux entrées XLR avec alimentation Photome, donc ça c'est pour les voix par exemple. On a deux paires d'entrées ligne stéréo, mais c'est apparemment compatible instrument aussi, hein, heureusement. On peut une guitare et une basse dessus. Il y a 3 paires de sorties stéréo, donc c'est pareil pour pouvoir mixer après, ressortir et remixer dans une table après coup, c'est vraiment très utile. Il y a 99 mémoires, 200 patterns rythmiques, 16 kits de batterie, et le tout est évidemment compatible MIDI. On peut brancher des contrôleurs externes au besoin si jamais vous en avez pas assez. Vous voyez par exemple le musicien ici, il en a pas assez, il en a branché en plus des petits foot switch. On peut aussi le brancher en USB à son ordi pour importer ou exporter des boucles ou des données par exemple, sauvegarder des choses qu'on a enregistrées. Le tout évidemment a l'air super solide, c'est assez gros aussi, hein, forcément c'est vraiment le gros looper de la marque. Mais pour les gens qui basent toutes leurs prestations scéniques sur le looper, bah, comme d'ailleurs le musicien qu'on voit à l'image ici, hein, dans la pub de Boss, et ben c'est vraiment c'est un must je pense, et ça permet de faire des choses très avancées avec les effets, etc. Dernière chose, si vous vous demandiez pourquoi il s'appelle le RC600, et ben c'est parce qu'il est vendu 600 €, hein. Non, c'est pas ça, vous croyez? Non, bon, bah, en tout cas, il est vendu 600 € quand même. Alors, c'est pas le plus cher, hein, parce qu'on a le Aeros, par exemple, chez Singular Sound, qui est quasiment à 700 €, et le Looper Board de Ed Roche, qui est quasiment, lui, à 800 €. Donc, c'est pas le looper le plus cher du marché, mais en tout cas, c'est le plus gros chez Boss. Et Boss, on sait, hein, niveau looper, c'est quand même c'est des bons. Hein. Donc voilà, si en tout cas, vous faites de la musique basée sur le looping, le looper, etc., et vous faites pas mal de scènes, bah, je pense que ce RC600 peut vous intéresser. En tout cas, moi je trouve ça super sympa. Allez, on continue avec Spectrasonics et Eric Persing, le boss de Spectrasonics. Alors d'ailleurs, je remercie soundpreset.com à qui je vole cette petite vidéo, parce que la vidéo en fait de Spectrasonics, je vous en parlerai plus tard, mais très très longue, j'ai pas eu le temps de la télécharger. Donc c'est un petit événement Spectrasonics, car ça faisait déjà longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Mais en plus, c'est pour annoncer des extensions pour Omnisphere. Et Omnisphere, faut savoir qu'il est sorti il y a 6 ans et demi déjà. Et oui, le test sur Audiofanzine date de 6 ans et demi. Et en plus, c'est la première fois qu'il propose de véritables extensions comme les 4 nouvelles qu'on va voir aujourd'hui. Car oui, chez Spectrasonics, on sort rien pendant quasiment 7 ans pour Omnisphere. Mais alors par contre, quand on sort un truc, c'est 4 d'un coup. Donc on a 4 banques de sons. Il y en a une qui s'appelle Undercurrent, qui fait 7 gigas, qui propose 2200 sons, et qui est plutôt pour faire de la musique dark électronique, plutôt son à l'image aussi. Il y a Nylon Sky, qui fait 10 gigas, qui propose 323 sons. Donc quand je dis sons, c'est des presets, hein, finalement. Il y a plus de sons samplés, évidemment. Hein. Mais là, cette deuxième banque, c'est plus pour des sons ambiantes à base de guitare nylon, hein, comme son nom l'indique. Il y a Unclean Machine, qui fait 3,6 Go, qui propose plus de 2000 sons, et qui est une banque orientée son rétro. Et Seismic Shock, des sons électro, mais plus lourds et plus modernes. Et elle fait 3,4 Go et propose aussi plus de 2000 sons.
Donc à chaque fois, il faut savoir que c'est pas juste des presets, à chaque fois on a le droit à des effets uniques signés Spectrasonics, hein, uniques pour chaque banque de son. Les contrôles aussi sont adaptés spécifiquement aux banques et donc sont différents de ceux d'Omnisphere. Et évidemment, il y a du multi-sampling dans tous les sens, et puis bah, les presets, hein, on imagine qu'ils sont très bons, c'est la grosse force en tout cas de Spectrasonics et d'Omnisphere. Il y a énormément de sons différents. Eric Persing, le boss, c'est un cador, hein, pour tout ce qui est design sonore, etc., sound design. Donc voilà, ce sont des véritables banques de sons additionnelles, pas juste des presets. Elles sont vendues 150€ l'unité. Il y a d'ailleurs un site spécial qui s'appelle sonicextension.com. Et puis aussi, autre chose que je vous conseille, là, je vous ai montré ces vidéos-là, mais allez voir sur le channel de Spectrasonic, le channel officiel, car le jour de la sortie, ils ont sorti des vidéos, je crois qu'il y a plus d'une heure et demie ou deux heures de vidéos, où ils montrent tous les sons, quasiment tous les sons. Alors peut-être pas tous les sons, mais en tout cas beaucoup de sons. Et voilà, si vous voulez vous faire une idée sur les sons de ces banques, et bien évidemment allez voir ces vidéos officielles, en tout cas elles sont assez bien produites et ça donne une bonne idée. Voilà, allez, on passe maintenant à la guitare avec Fender, l'incontournable Fender. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Fender? Et bien ils ont fait quelque chose d'assez inhabituel et d'assez unique, et plutôt pour nous faire rêver, car il s'agit d'une Telecaster issue du Custom Shop. Donc le Custom Shop, c'est les guitares en série très limitée et généralement très chères, hein, donc le Custom Shop de Fender, et qui est inspiré d'un fameux violon de Stradivarius de 1713, c'est le Gibson Huberman. Et ouais, c'est marrant, du coup ça fait une Fender qui s'appelle Gibson, c'est plutôt drôle, mais en fait Gibson Huberman, c'est le nom des deux premiers propriétaires du Stradivarius en question. Et il faut savoir que ce Stradivarius, et bien la valeur est estimée à 14 millions de dollars quand même, hein. Donc c'est un instrument assez mythique, et il est possédé par le violoniste Joshua Bell. Le violon a une histoire de fou, il a été volé deux fois, le dernier voleur a admis sur son lit de mort que son violon était en fait le Gibson Huberman très connu, volé quelques années auparavant, et qu'il l'avait maquillé avec du cirage à chaussures. Bref, c'est un violon mythique, je vous l'avais dit. Il a été ensuite restauré, vendu à Joshua Bell, l'actuel possesseur du violon, donc le violoniste Joshua Bell, et qui l'a prêté lui-même au Custom Shop de Fender, c'est plutôt sympa, qui a du coup en a fait une Telecaster qui s'est inspirée en utilisant les mêmes bois, les mêmes matériaux que le violon. Le corps est en érable avec une table en épicéa du nord de l'Italie. Il y a des ouïes en F comme le violon, hein, qui ont la même, pas la même taille évidemment parce que le violon est beaucoup plus petit, mais en tout cas les mêmes dimensions. Et proportionnellement évidemment, il y a un manche en érable flammé bosnien, voilà, qui vient de Bosnie apparemment, un profil en C, un radius de 9,5 pouces, une touche en ébène et une finition type antique polie à la main. Alors côté micro, évidemment c'est pas comme le violon, parce que le violon il n'y a pas de micro, mais ils ont mis quand même 3 piezo et 2 TV Jones Thunderblade. Il y a un chevalet flottant, ça aussi c'est assez original quand même pour une Fender. Bref, c'est du bon délire, mais évidemment il n'y a que 60 exemplaires et c'est vendu 30 000 dollars. Alors ça reste beaucoup moins cher que le Stradivarius d'origine, hein, évidemment, mais je vous l'avais dit, c'est plus pour le bonheur des yeux qu'autre chose, et plus pour nous faire rêver, hein. De toute façon, souvent les guitares des custom shops, du custom shop de Fender, c'est plus pour ça, pour montrer aussi le talent de ces luthiers qui font des choses assez extraordinaires. Et je trouve en tout cas c'est un bel hommage de la part de Fender à ce fantastique violon signé Stradivarius. Voilà, what else, hein, Stradivarius évidemment. Donc voilà pour Fender, une petite news assez sympa qui change des guitare de d'habitude. Allez, on termine cette matinale avec du logiciel et un plugin, et plus particulièrement un plugin de chez l'éditeur Bliss, dont on n'a jamais parlé ici, donc c'était l'occasion. Ils ont sorti Dragonfly, qui veut dire libellule en anglais, et c'est un trémolo très particulier. En effet, ce trémolo, comme tous les trémolos, fait varier le volume de ce qu'on fait passer dedans de manière régulière, mais cette régularité peut être affectée par plein de paramètres différents, et c'est inspiré par l'effet sur la chanson Xani de Billie Eilish. Donc voilà, si vous êtes fan de Billie Eilish, ça peut vous aider. Le trémolo sur sa voix est modulé par une grosse basse, hein, en sidechain sur cette chanson-là. Donc là, c'est un peu le délire en tout cas de ce plugin-là. On peut aussi faire varier l'effet avec le pitch tracker intégré, qui va donc détecter la hauteur des notes
alors soit de ce que vous faites rentrer dedans, soit de ce qu'il y a en sidechain, et faire varier l'effet du trémolo en fonction, la vitesse du trémolo en fonction. On peut aussi faire varier l'effet via l'entrée MIDI et la libellule sur l'interface que vous voyez, bat des ailes de manière synchro, ça c'est plutôt sympa comme délire. Et on retrouve des temps d'attaque, de relâchement, une saturation, aussi un wave shaper, et un mode manuel au cas où ça peut servir. Évidemment, si je vous en parle, c'est aussi que c'est pas cher, c'est vendu 15€ avant de repasser à 29€. C'est compatible Mac et Windows, mais aussi iOS. Voilà, c'est toujours bon de le signaler. Donc voilà, un nouvel éditeur que moi, personnellement, je ne connaissais pas. C'est Arnaud qui m'en a parlé. Donc voilà, ça a l'air très sympa. Et pour les fans de Billie Eilish, en tout cas, je trouve qu'au niveau de la prod, il y a plein de super idées dans ces disques. Donc bah, allez-y, c'est plutôt sympa. Ça permet en tout cas de reproduire ce type de son de manière très simple. Et ça, c'est plutôt sympa. Pour ceux qui n'ont pas le temps. Hein, voilà. Et donc voilà, bah, écoutez, c'est terminé pour cette matinale. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez ce type d'émission, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Il y a plein de vidéos qui sortent toutes les semaines. Moi, bah, je vous dis du coup, passez un bon vendredi, un bon week-end, faites plein de musique, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!